Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce lundi 3 octobre, on va débuter la semaine du côté d'Anguin avec les trotteurs, hein, une réunion assez intéressante qui nous attend. Moi, je me suis intéressé à l'une des belles courses, hein, d'ailleurs. Le prix des Gletons, 7e course du programme, sera support de Pick 5, mais également de The 5, hein, chez notre partenaire, aurait dû servir de support au Quintet Plus. Maintenant, ils ne sont que 13, comme vous le voyez, 13 concurrents au départ, voilà, des 5 ans, n'ayant pas gagné 162 000 euros, donc vraiment un lot de qualité. Certains sont même en dessous des meilleurs, je trouve. En tout cas, il y aura 2875 mètres à parcourir. C'est une course européenne, hein. Il faut le noter, hein, il y a Benvenuto Par. D'ailleurs, c'est le seul concurrent, un Italien, qui va donner le caractère européen à cette course. En tout cas, voilà, cette épreuve est prévue aux alentours de 17h20. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition. Ce sera le plus riche, tout simplement, Azur Derpe. J'adore ce cheval-là, il est en grande forme comme vous allez le voir. Il vient de prendre une deuxième place du côté de Vincennes sur un parcours de vitesse. Il était déféré des 4 pieds, alors il était déféré des 4 pieds, il a été battu par Benvenuto Par. Comme vous le voyez, mais bon, progressivement rapproché en épaisseur dans la montée, a fait illusion pour le succès, s'inclinant près du but. Il n'a pas été battu de beaucoup par Benvenuto Par, et puis il aura l'avantage de la distance. C'est vrai qu'il est bien meilleur sur les parcours de tenue par rapport à son rival Benvenuto Par. En tout cas, c'est un cheval de qualité qui est extrêmement bien engagé. Regardez auparavant, c'était 5e, juste déféré des antérieurs. Le lot était bon, un First Blood, Hold Up Dream, Gourou. Voilà, Hold Up Dream qui a couru, je crois, le critérium d'ailleurs des 5 ans début septembre. En tout cas, regardez cette performance. Il était plaqué des antérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas, hein, plaqué des antérieurs. Deuxième de Horsey Dream qui luttait pour les places lors de sa faute dans le critérium des 5 ans. Donc un super cheval, ce Horsey Dream. Il battait Hold Up Dream d'ailleurs, hein, c'est aussi une très bonne ligne. Mathieu Abrivard qui lui était associé, il le connaît parfaitement. Je trouve vraiment qu'il a l'engagement de rêve. Et avant le coup, je trouve que le lot également est à sa portée, même s'il a été battu la dernière fois par Benvenuto Par. Je pense vraiment que sur cette distance, il a largement les moyens de prendre sa revanche. Donc voilà, ce sera le cheval que je vous indique ce lundi 3 octobre, le 713 en réunion 1. Azur Derpe a joué de mon côté 1 euro gagnant, 3 euros placé. Hein. Moi, je vous le rappelle, c'est une indication. Hein. Moi, c'est ce que je fais en général au niveau des jeux, mais chacun joue à sa façon. Mais je vous indique en tout cas ce 713 Azur Derpe comme jeu simple chez notre partenaire theturf.fr qui vraiment dispose d'une toute première chance. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé. On a fini le mois sur une note correcte, hein, avec Ghost des Charons qui s'est classé 3e la dernière, à Vincennes vendredi soir. Voilà, il faisait je crois 1,60 à la place. Bon, c'était pas un mois terrible, on n'a pas forcément réalisé de grandes performances, même s'il y a eu quelques coups d'éclat qui nous ont permis de revenir dans la partie. C'était un mois en négatif pour moi, malgré cela. Pas de beaucoup, hein, une quinzaine d'euros je crois en tout cas. Voilà, on va essayer de repartir sur les chapeaux de roue ce mois d'octobre. Ça s'est pas très bien passé pour débuter le mois samedi avec un cheval qui s'est montré fautif, hein, que je vous ai indiqué du côté de Laval, malheureusement, qui s'est enlevé en début de course. On n'a pas pu trop le juger, il était favori, enfin il faisait partie des chevaux en vue. Mais bon, on va essayer de reprendre rapidement les bonnes habitudes des dimanches du côté de Longchamp. Une fois n'est pas coutume, hein, vous avez dû voir que je vous ai donné un The 2 sur 4 avec, dans le prix de l'Opéra en tout cas. On va essayer de poursuivre sur une bonne lancée. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également. Ou à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve mardi pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.